m'en veux d'avoir trahi la confiance de Barry hier. Oh, t'en fais pas, Billy. Tu es sûrement bon à quelque chose. Oh, oh. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à le savoir. Alors voilà le programme. On va tourner la scène du désert dans le tas de sable. Mais je te signale qu'il en manque un. On peut très bien le faire sans Thomas. Allez, dépêchons-nous, mettons-nous au travail. Accroche-toi comme une plante à son pot. Sois cool, ça se fera naturellement. Où est passé Vernon? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui fasse tout le travail? Le début de mon nom s'appelle M-I-S-S, comme dans Mississippi. Hey! Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais ici? Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Je voulais seulement voir ce que vous... Vernon Dapner, tu viens d'effacer notre bel exposé. Très bien, les amis. Écoutez-moi. C'est la scène où Elisabeth Plume fait traverser le désert au pauvre professeur épuisé. Alors Nick essaie d'imaginer que le sable du temps s'écoule entre tes doigts. Que toute ta vie ne dépend que du courage. Regardez ce que j'ai trouvé. Mélanie, va-t'en, voyons, j'essaie de travailler. Mais il sera bien mieux comme ça. Mélanie. Ah, tchou. Excuse-moi, je voulais seulement me rendre utile. Ah, tchou. C'est un accident, je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Moi non plus. Il va falloir que je change de métier, je n'ai 8 ans. Des heures et des heures de travail acharné. Toutes perdues par la faute d'un véritable demeuré en informatique. On ne te dit pas merci, Vernon. Ben dis donc, j'ai l'impression que tu les as contrariés. Comme si je le savais pas, mince. J'ai réussi à effacer tout leur exposé. Il a complètement disparu. Mais non, elles ont un CP4 6220. Et alors? C'est pratiquement impossible de perdre quelque chose avec ce truc. Tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en ordinateur pourraient te retrouver n'importe quoi. Non, c'est sans espoir. Je crois qu'il est trop tard. Mais pourquoi ça? J'essaie de pas trop le montrer, mais tout le monde s'en est aperçu. Ma confiance en moi, je l'ai perdue et je me sens tout nu. On dirait qu'on a tout raté, je sais pas comment on a fait. Va falloir essayer de se rattraper pour se faire pardonner. Et ça suffit les garçons, vous n'avez pas honte? Te retourne pas, ne regarde pas en arrière. Va de l'avant avant de devenir un vieux croulant. Tu peux le faire, tu peux encore t'en tirer. Je serai là pour t'épauler. Lève la tête et arrête d'être aussi bête. Garde tes forces pour éviter de te faire des bosses. Je serai là pour te sortir du pétrin. Prends ton courage à deux mains. Mon courage à deux mains. Et te retourne pas. Très bien, Vernon, je vais y arriver. Je vais t'aider à récupérer leur exposé. Oh, merci, Billy. Bonne chance. Te retourne pas. Je crois qu'on peut y arriver. Te retourne pas. On va sûrement se débrouiller. Te retourne pas. Tu verras, tout va s'arranger. Te retourne pas. Toi aussi? Il faut que je trouve une idée d'exposé. Ah! Ah, non, 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 ça va pas, ça. De toute façon, on n'a qu'à dire à Madame Norris que cet idiot de Vernon a effacé tout notre exposé. Et comme ça, elle devra nous noter sur le reste de notre travail, ce qui veut dire qu'on aura encore une fois un vin. Salut.
Oui, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? C'est-à-dire que Billy dit qu'il est capable de récupérer votre exposé. C'est absolument impossible. Mais non, la preuve. Mais qu'est-ce que tu fais? Non. Vous inquiétez pas, c'est un champion des ordinateurs. Je tape encore deux ou trois instructions et voilà. Il l'a retrouvé. J'ai réussi, je l'ai. Attendez, il n'y a que deux lignes. Vraiment? Ça veut dire que vous n'aviez écrit que deux lignes? Mais vous disiez que... Oh, laisse tomber! Dépêche-toi, Vernon! Il faut aller finir notre film! Mais... Deux lignes, d'accord, mais ce sont deux lignes très importantes! Ah oui, c'est vrai, tout notre exposé repose sur ces deux lignes. Quoi, vous deux aussi? Tchoum! Oui! Cette fois, ça suffit. C'est vrai, il est fâché contre tout le monde maintenant. Je suis sûre qu'il ne va pas bien. Je devrais peut-être aller lui parler. Qu'est-ce que tu as? Tout marche de travers. L'exposé, Thomas, mon père. Ton père? Oui, il a dit qu'il allait m'envoyer dans une autre école si j'avais encore une mauvaise note. Cet exposé était ma dernière chance et j'ai encore une fois tout fait rater. Puisque c'est comme ça, je préfère ne plus jamais vous revoir. Oh, s'il te plaît, je suis sûre que tout va s'arranger. J'y arriverai jamais. Faudrait que je sois un peu plus sérieux. Oh, ça leur apprendra, ces deux idiotes. Ah, voilà les autres. Attendez-moi! Oh mince, je suis coincée! À l'aide! Billy, t'as été super. Merci pour ton aide. Oh, c'était rien. Tu vois, j'arrive tout de même à faire des choses quand ça m'intéresse. Au secours! À l'aide! Salut Thomas! À quoi tu joues? C'est évident, je m'amuse à me balancer. Qu'est-ce que tu crois que je fais à ton avis? Je suis coincée, aidez-moi! D'accord, Vernon, t'as qu'à grimper là-haut et le faire descendre. Hein, moi? Pourquoi c'est pas toi qui monterais? Moi? Mais je porte mes affaires du dimanche. Vous allez vous mettre d'accord? Je glisse! Si vous m'aidez pas, allez chercher quelqu'un d'autre! Accroche-toi, on va revenir! Tiens bon! N'est-ce pas mort? Alors vous comprenez, il était trop préoccupé. Si au moins tu nous en avais parlé, on aurait pu t'aider. Oui, je sais, je suis désolée. C'est pas grave, Barry. On fait quoi pour le film? On n'a qu'à le terminer. Mais tu as pensé à Thomas? Eh bien, je crois que je vais lui dire de revenir. Oui! Thomas! Thomas, il a dit Thomas! Il... coincé! Il... coincé à... Coincé dans l'arbre! Dépêchez-vous, il faut y aller! Cette fois, il va falloir travailler tous ensemble. Vous êtes partants? Oh ben oui, bien sûr! Quelle question! Allez, viens, faut on y va! Faut sortir de là! Allez! Arrêtez! On n'y arrivera pas comme ça. Norma, toi et Marc, vous allez monter dans la cabane pour essayer de le retenir. Entendu! Nick, Sherina, tendez cet imperméable en dessous. Compris, Barry! Moi, je vais monter. Sois prudent, surtout. Dépêche-toi, mon vieux, je glisse. Courage, accroche-toi, Thomas. Merci, Barry. Ami? Oui, ami. Génial! Billy, qu'est-ce que tu fais? Oups. Ouais! J'arrive pas à croire que c'est nous qui avons fait tout ça. Et tu as réussi à tout filmer, Billy.
Enfin, la caméra était là, alors tu comprends, c'était pas bien. Ne joue pas les modestes. Tu as été formidable. Hé, serre-moi la main, champion. Ça alors? Merci, Barry. Arrêtez tout! Écartez-vous! Faites-nous de la place! Nous avons tapé sur notre bel ordinateur le récit de ce sauvetage. Et tout est là. Oh oh! Quoi? Bah, de toute façon, je ne l'aimais pas du tout en noir. Je me demande s'il existe en rose. Accroche-toi. Accroche-toi comme une plante à son pot. Sois cool. Sois cool comme un poisson dans l'eau. Laisse béton. Ça se fera naturellement. Parce qu'on est des enfants. C'est tout ce qu'on attend de nous. Oui, on est des enfants. C'est tout ce qu'on attend de nous. Accroche-toi. Je m'accroche à toi. Laisse béton. Je laisse béton. Relax.